À bord de l'Aquarius, on a recueilli quasiment 30 000 personnes de 2016 à 2018. C'est 30 000 histoires. C'est 30 000 histoires qui racontent, chacun à sa manière, cet enfer quotidien qui est devenu la Libye aujourd'hui, avec ses tortures, ses viols, ce racket, cette mise en esclavage, et puis cette traversée quasi obligée, où on vous oblige à embarquer sur des rafios de fortune à la menace d'une arme. Donc je pense que pour SOS Méditerranée, la mission première, c'est le sauvetage. C'est également la protection à bord de l'Aquarius, ou d'un autre navire peut-être un jour, mais surtout, il est aussi important de justement apporter ce témoignage, de dire, voyez ce qui se passe, ça se passe à nos portes, aujourd'hui c'est les portes de l'Europe, voilà ce qui se passe en mer, voilà ce qui se passe à terre, de l'autre côté de la Méditerranée, il faut que ça se sache.